Salut les Drops, alors on se retrouve toujours sur l'île de Zanzibar, plus particulièrement dans le village de Michangwi, dans la mangrove qui porte le même nom. Les mangroves ici ont toutes des couleurs, il y a la black mangrove, la red mangrove, et celle-ci en fait, celle de Michangwi, a la particularité d'être multicouleur, on va dire. Donc quand vous coupez une branche, donc soit l'écorce est noire, soit l'écorce est rouge. Voilà, il y a vraiment une grande diversité d'arbres. Et après, je vais vous emmener voir une pousse qui est très intéressante ici, où les gens du village s'en servent pour les maux d'estomac. Donc, il y a plein de choses ici dont ils se servent. Oui, comme je vous disais tout à l'heure, sur cette mangrove, il y a pas mal de plantes médicinales, comme par exemple ce petit arbuste là, qui est planté dans le sable, avec à sa base un fruit. Donc ce fruit s'appelle le kwa umwa en langue swahili. Et si vous voulez, en fait, l'idée c'est que vous prenez le fruit, vous enlevez donc l'écorce, vous voyez, c'est rouge à l'intérieur. Et ce fruit, vous le faites bouillir. Donc, vous allez faire une sorte de décoction et l'eau, en fait, va devenir rouge. Et c'est cette eau que vous allez boire. Et si vous voulez, ça agit sur les maux de ventre, les spasmes. Voilà, c'est comme ça que les villageois se soignent grâce à la mangrove. Voilà, donc je trouvais ça intéressant de vous montrer tout ça. Donc on se retrouve là, cette fois-ci à l'intérieur de la mangrove. On va pas aller plus loin pour pas déranger la faune, parce qu'il y a énormément d'oiseaux ici, des crabes, des serpents d'eau, etc. La mangrove fait à peu près 2 km de long. Et voilà, donc nous on s'arrête ici, mais je vous laisse découvrir en images ce magnifique paysage et ce paradis sur terre. Voilà, à bientôt.